la police recherche toujours activement cet homme accusé de pédophilie. Le monde entier t'en veut. Tu veux pas un peu de poudre? Ferme-la! 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 Rorschach. Procédez au lancement de la phase 1. Un vaisseau qui survole la France actuellement. Ah, il est amnésique. Non, on va t'aider. Et pour ses hôtesses. Oh, ce n'est pas le bon. Ce sont des coordonnées. Tu crois qu'ils font des expériences sur le messager? Je pense pas. Il était consentant à l'essieu. C'est ici. Bonjour, Anto. C'est moi, Anna. Tiens, là, vous êtes cernés. Rendez-vous sans faire d'histoire. Ludo, crevé. On est au point de rendez-vous. Restez ici, couvrez-moi. Le plan n'a pas changé, monsieur ? Non. En revanche, j'ai de nouvelles directives.
Laissez-nous. Vous êtes sûr? Il est dangereux. Dégagez! Et toi, t'es qui? Travaille pour moi, ou ton ami mourra. Essaye pour voir. Où est Anto? Équipe Alpha, emmenez-le. Sortez! Si tu veux que ton ami vive, rejoins-moi à ses coordonnées. Avec un échantillon de ton sang. Ne sois pas en retard. Fais quoi, Arthur? Il fait super froid ici. Tiens. Non, mais ça va aller. Voilà. Merci. T'as pas froid? Oh non, ça va mieux. Allô? Oui, désolé. J'ai pas eu le temps de te rappeler. Je passerai te les emmener. Ce sera l'occasion de discuter de nous. J'arrive. Tu t'en vas? Oui, je dois aller retrouver Jessica. J'espère arranger les choses. Ah, bon, ben... Je te souhaite d'y arriver. Tu me déposes chez moi avant? Pas de soucis. Tu es déjà de retour? Oui. Raconte-moi, je veux tous les détails sordides. Les humains sont tellement faibles. Il tient trop à son ami pour le laisser mourir. Oh, comme c'est... Où en es-tu avec le sang récupéré? On n'en a pas assez. Tu ne veux pas tuer ton nouvel ami qu'on puisse en récupérer davantage? Non, pas pour le moment. Il est mes yeux et mes oreilles dans le laboratoire du docteur. Alors il va falloir en trouver un autre. Je m'en chargerai. Tu vas réussir à percer le mystère des clones? En effet, c'est primordial pour notre projet. Je suis attendu pour la phase numéro 1 de notre projet. Alors ne perds pas de temps. Allume la télé. Ça risque d'être intéressant. Ça y est, t'es réveillée? Maintenant, tu vas comprendre que ta cause est perdue. Nous sommes donc en direct devant le premier événement historique dans l'histoire de l'humanité. Nous nous apprêtons à recevoir et à avoir le premier visiteur venu d'une autre planète. Monsieur, qui fait ça à cet événement? Ouais. Comment réagissez-vous, quoi? Ah, je suis super bien, je suis super surpris. Les extraterrestres existent. Vous vous attendiez à vivre un tel événement de votre vivant? Pas du tout. Je pensais qu'on était que les seuls dans l'univers. On comprend la réaction et vous voyez bien l'afflux de peuple qui s'est déplacé pour vivre un tel événement.
Nous nous apprêtons donc d'une minute à l'autre à recevoir ce visiteur venu d'ailleurs. Et attendez, je crois qu'il arrive. Oui, c'est lui, c'est lui, le voici. Enfin, là, depuis le temps, bien bonjour. Et bonjour. Je n'ai pas entendu. Alors, pouvez-vous vous présenter Donc, je me prénomme Rorschach. Bien, et alors, comment se fait-il que vous me ressembliez autant? N'importe qui vous croise dans la rue pourrait vous prendre pour n'importe quel humain, là. Bien, la réponse est très simple. Mon peuple provient d'une dimension parallèle à la vôtre, donc qui est également une autre terre, mais qui est venue différemment par rapport à votre peuple. Bien, et alors que venez-vous faire sur Terre? Bien, nous sommes venus vous apporter un message. Et quel est-il? Donc nous avons vu depuis notre dimension une autre espèce qui est en train d'envahir votre planète. Ah bien, voilà qui est inquiétant. Pensez-vous que nous pourrons réussir à endiguer cette menace? Oui, bien entendu. Nous sommes là pour ça. Mais par contre, à présent, je vais devoir vous laisser afin de continuer les investigations, afin de vous défendre. Très bien, merci Rorschach pour le temps que vous nous avez accordé. Ce fut un plaisir. Vous avez fait de nombreux fans ici en tout cas. Oui, je vois ça. Au revoir, très bonne bien, journée. Merci beaucoup. Des informations très palpitantes que nous venons d'apprendre à cet instant. Nous espérons que le gouvernement sera en mesure de nous défendre face à une telle menace. Vous étiez en direct sur Jura TV face à la collégiale de Dole. Nous espérons avoir de nouvelles informations d'ici là-bas. Merci de nous avoir suivis. De te voir. C'est qui ce type là? Je t'avais prévenu, Lucas, je veux plus te revoir. Pourquoi? À cause de ce type là? T'as un problème, espèce de petit drogué. Quel droit de me parler comme ça, toi? Arrête! Stop! Lâche-le! Tu vas partir maintenant! Je t'emmerde, connard! Putain! Ah. Ah. Putain, je vais te la casser! Oh! Tu vas voir si je te retrouve! Tu as la marchandise? À ton avis. J'ose espérer que c'est bien ton sang. Un deal est un deal. De toute manière, n'essaye pas de me duper. Si je ne t'ai pas saigné ici et maintenant, c'est parce que j'ai besoin que tu récoltes des informations sur les travaux de clonage de ton ami, le scientifique. Je savais qu'il dirait rien de toute façon. Là n'est pas la question. Seulement, pour une raison inconnue, nous n'arrivons pas à accéder à sa mémoire. Mais tu vas nous livrer les informations qu'il nous faut. Sinon, ton ami le scientifique passera un mauvais quart d'heure. Dans ce cas, pourquoi mon sang était si important? Parce que tu es le premier. Mais le premier de quoi? Vas-y. Mais vous êtes qui? Thank you.
Non. Alors tu fais quoi là? Hé! Est-ce que ce bordel, qu'est-ce que je fais ici là? Oh!